Ah, j'étais content de te voir, Edouard. Mickey Coquin, oui. Très souvent, l'actualité nous amène de l'amorosité ou de la tristesse ou des angoisses. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Avoir peur, parce que la vie est magnifique autour de soi, même un lavabo, même un trottoir peut être vraiment source d'amusement. Quel coquin. Je saute. Oui. Mais c'est un peu le mais son. Tu sais, je comprends pas comment on peut être déprimé, ça je l'avais dit la dernière fois. Oui. Mais comment... Qu'est-ce que tu parce es, que chaque fois, parce que ce matin, par exemple, je me suis réveillé, enfin hier matin, je me suis réveillé comme ça, d'un coup, flash, et hop, j'ai mis mon slip, et là, une fois que j'ai mis mon slip, j'ai voulu faire plein de chose, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait des haricots verts, j'ai cossé des haricots verts. Une fois que j'avais fini, je suis allé dans la rue, puis j'ai dit bonjour à tout le monde. Et puis voilà, puis vous êtes gentil, vous êtes généreux. Bon, là, il était 9h, je savais pas quoi faire. Bon, j'ai été à l'hôpital, j'ai aidé, j'ai fait du bouche à bouche. Ensuite, j'ai fait des massages cardiaques à tous les vieillards. Et puis voilà. Mickey Coquin, qu'est-ce qu'il faut faire des gens qui ne sont pas souriants, qui n'aident pas la société? Faut les aider tout simplement à être heureux, à devenir heureux, tout simplement. Par des moyens, parfois un peu. Des moyens, tout simplement leur sourire, et puis s'ils sourient pas encore, leur masser les épaules avec douceur, puis avec violence, et puis ensuite avec le coude, et puis ensuite à la fin, et puis ils deviennent heureux, forcément. Qu'est-ce qu'il est coquin, c'est Mickey Coquin, c'est Mickey, Mickey Coquin, qu'est-ce qu'il est coquin, c'est Mickey Coquin. Mickey. Au revoir Mickey Coquin. J'étais tellement contente de te rencontrer, au revoir tous les enfants. Tiens, je t'ai apporté un calepin. Hey. Je t'ai apporté un calepin, tiens. Ah, tiens.